Bonsoir. Normalement, quand vous restez sans me voir, je vous manque. N'est-ce pas? Bonsoir la reine Sama. Bonsoir, bonsoir. Vous dites que vous avez manqué, je ne dois pas avoir de vie. Bonsoir la reine Kamini. Bonsoir la reine Mombasa. Partagez ma vidéo. Ça sera la meilleure vidéo de votre journée. Je ne vais pas dire de votre année parce que je sais que demain, je vais encore mettre une autre qui sera aussi. Donc j'ai un message de la part des ancêtres. Écoutez, hein, tout dans votre vie dépend de votre perspective. C'est la façon dont vous voyez les choses. Ce soir, j'attends que les ancêtres me disent la direction dans laquelle je vais commencer. Donc, je vais les laisser parler. Vous avez longtemps souffert. Vous avez fait 50 business en 3 mois ou en 4 ans. Donc Yaoundé, ce sera plutôt lundi. Donc ceux qui ont déjà payé pour Yaoundé, vous allez me voir lundi. Merci beaucoup, Jovi. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre que je suis en train de faire un direct. Si tu m'attends, c'est qu'on ne va pas se parler. Je suis en train de faire le direct. Donc, ok. Donc, laisse ton numéro à Jocelyne partir. Vous devez comprendre que le temps est déjà... Vous êtes overdue. Vous êtes overdue. Anatole dort. Une des femmes d'Anatole a fait un œuf aujourd'hui. Toutes les poules dans la basse cour chantent. Elle marche, ça m'a fait un co. Elle dit qu'Anatole fait du bon boulot. Toutes les poules ici là font seulement co. Ok. Qu'elle pense à Anatole, j'ai ri seulement. C'est ça, il y a un des lundis. Arrêtez d'ouvrir la porte ici. Oh Seigneur. Je reprends là où j'ai laissé. Vous avez déjà 50 mois de grossesse. Vous êtes overdue. Tu sais qu'on devait te connaître depuis... Votre temps, donc, à l'intérieur de vous, vous savez que... Le temps est déjà... Donc, je suis censée avoir déjà accouché depuis 50 mois.
Est-ce que je vais vous donner un secret ce soir? Dans votre entourage, vous ne m'entendez pas? Dans votre entourage, les personnes qui parlent dans votre vie vont vous construire ou vous détruire. Parfois, tu restes comme ça. Le mieux que tu peux espérer d'une vie. Ah, je veux seulement un gars qui va s'occuper de moi. Ah, il peut seulement, s'il vient seulement vivre chez lui, c'est bon. On fait le vieux, on reste. Je ne veux même pas qu'il m'épouse. Et tu peux penser ça, tu vas chercher un homme. Tu vas rester chez lui comme ça. Oh, quelqu'un peut être dans ton entourage, je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu te connais même? Pourquoi tu baisses tes standards? La petite parole de la personne là, ça te secoue comme ça, là, tu dis, hey, qu'est-ce qu'elle faisait même? Qu'est-ce que je faisais? Moi, une reine lumière, je pars chez quelqu'un parce que je suis en train de soupirer pour qu'on me donne l'endroit pour dormir. Ton entourage t'a construit. Votre problème, ce sont vos amis. Et je vous dis tous les jours que je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire le direct. Je dis que oh, ce que tu dis, c'est bien, c'est sucré. Oh, I like it. I like it. Oh, this is so good. Je suis l'ami là que vous n'avez pas à côté de vous, qui est là pour vous pousser. Tu pleures les dettes de 1 million depuis 6 mois, ma chérie. En 3 semaines, tu peux te faire 1 million. Tu pleures quoi? Wow, je veux que Fosso Jean Bosco me remet mes 500 000. Wow, je veux que telle personne me remette mes 250 000. Ma chérie, pas voir Jocelyne. Je dis que j'ai fini avec toi. Je vais faire mon direct. Quand tu vas voir moi comme ça, ça va le voir, pardon. Dès que t'attends demain. Tu es là, tu cherches le boulot. Tu viens d'arriver dans un pays comme ça. En arrivant, tu avais des grands espoirs. On est là, ici là. Vous savez, moi j'étais, quand je suis arrivé en Europe, j'avais de très grands espoirs. Je me rappelle encore de la sensation que j'ai ressentie quand on atterrissait à Bruxelles le matin là. C'était un 6 novembre 2006. J'ai voyagé. En arrivant, Lily Aoudou, tu m'appelles d'abord pourquoi? Hein? Tu m'appelles d'abord pourquoi? Les Decepticons qui sont sur ma page, c'est là où vous venez m'insulter après me contacter inbox là. Dieu vous voit, hein? Il va vous exposer. Ne venez pas sur mon direct, vous voyez quelqu'un vient faire un faux commentaire jusqu'à vous l'écouter. Il y a un comme ça qui était venu la semaine, ça fait peut-être 10 jours. Il a fait le direct pour parler contre moi. On m'a envoyé la capture d'écran. Le lendemain, je fais mon direct, il se pointe et il commente. Il dit, tu as de beaux yeux. Je dis, voilà. Et bien, c'est toi qui as fait le direct. C'est toi qui as fait le direct contre moi, non? Tu viens commenter mon direct, pourquoi? Vous devez arriver à un niveau où, quand moi je suis arrivé en Belgique, je me rappelle bien, j'avais plein d'espoir. Je croyais que voilà, ma vie va changer. Vous connaissez la sensation quand tu viens d'arriver en Europe, non? Et quand tu arrives maintenant, on te dépose tes valises, on te donne ta première nourriture. Après, on te dit que mamie vient t'asseoir. Choisis. Que ici en Europe, si tu n'as pas les papiers, tu n'avances pas.
ici en Europe. Hein. Wow! Tous tes rêves, tu vois, on t'avait donné le visa. Quand t'as donné le visa là, jusqu'à tu prenais ton passeport comme ça, tu balançais au quartier. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Patrick est venu, j'étais béni. Tu te rends compte que tout ce qu'on t'avait dit, on t'a vendu l'illusion. Maintenant, je te retrouve piégé. Je m'appelle ma tante, elle était cachée, elle m'a dit cache. Cache. Que tous tes rêves qu'on t'a donné au pays, là, oublie ça. Ici, c'est la réalité. Médecine que tu crois que je vais faire là. Tu vas taper 3 ans, tu fais laboratoire, après tu. Et je me suis senti écrasée. Je ne savais pas que je partais comme ça pour faire 9 ans de ma vie où on va me rappeler. Tu n'as pas le passeport Bordeaux. Tu n'as pas le passeport Bordeaux. Comme tu n'as pas le passeport, si tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas travailler ici, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et quand les gens là me disaient ça quand je sortais, je rentre, je rêve, je vois, c'est comme si je suis bloqué par le système. Qu'est-ce que vous pensez là, mes mains vibrent, le système. J'ai tout demandé à Dieu, Seigneur, je sais que je ne peux pas être restreinte par ce que les gens se me disent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sans papier qui m'écoutent. J'ai passé 7 ans sans papier en Europe. 7. Je me battais, j'ai fait les beignets, j'ai vendu, j'ai fait les croquettes, j'ai fait les caramels. Après j'ai fait du Airbnb, après j'ai coiffé, j'ai fait la restauration. Père, là, je te bénis. Arrête de douter de toi. Pendant que j'endurais tout ça, en moi, il y avait une rage de sortir de la case qu'on m'avait donnée à cause de ma couleur de peau ou à cause de la mère qui m'a accouchée. Rango Touko, donc vous pensez que vous êtes les seules personnes de ma vie là. ...1467 messages non lus. Tu vois. Regardez. 1467 messages non lus sur WhatsApp. Quand vous pensez que vous m'avez écrit, vous avez trop fait là. Parfois, vous voulez me parler, vous n'arrivez pas. Connectez-vous dans mon direct, asseyez-vous, vous écoutez. Je vais m'asseoir souvent ça là, l'esprit me dit parle. Je suis en train de répondre à la question d'une personne que depuis 3 jours tu me dis que Seigneur, il faut qu'elle me parle. Je disais toujours, je vais sortir de ce système. Je vais sortir. Et si je sors, quand il va revenir ici en Bengue. Je ne vais pas revenir étant restreinte par un système. Tu restes, tu vois les gens qui ont dit qu'ils ont fait 20 ans. Tu les regardes comme ça, tu vois leur vie. Joséphine Ganso. Tu sais, je pense qu'en Europe, hein, il y a ceux qui se conforment au système. Même pas seulement en Europe, hein, partout. Il y a la norme qui veut t'appuyer. Et puis maintenant, et la norme va passer par n'importe qui, par ta mère, ton père, ton oncle, ton copain, pour te dire que tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui?
Hello from England. Hafsa Nasoma. Vous savez, les choses que je vous dis aujourd'hui, ce que je vis même aujourd'hui là. Ça, ce sont les choses que je suis restée en 2016 dans ma chambre à Birmingham, en Angleterre. J'ai visualisé. Et le temps là, ça, il n'y avait même pas un moyen. J'étais sans papier. Single mother. Je n'avais pas le CDI. Je ne possédais pas une maison. Du haut de mes 20, j'avais peut-être 28 ans, hein, 29, je ne sais même pas. Je regarde mon enfant comme ça, je dormais dans la même chambre qu'elle. Je disais tout, il y avait une force en moi qui me disait que you can break this system. Après, quand tu sors dans la journée, on te dit, ah, c'est comme ça que c'est ici. Tu crois que tu peux faire comment? Hein? C'est comme ça, tu crois que quoi? Tu ne peux pas. Je jeûne, je prie. Je dors dans la nuit, je me vois en train de parler à beaucoup de personnes. Dans mon rêve. Je me vois en train de guérir les gens. Écoutez, hein, le don de guérison que vous voyez en moi, c'est là que même je parle, vous guérissez là. Je rêvais seulement avant. Je rêve aussi, je rêve que je suis riche. Je rêve. Je rêve que je touche, comme je touche les gens aussi guérissent. Je rêve que j'ai une plantation comme ça là, où on a semé les choses et puis en quelques jours c'est devenu fructueux. Hello Marie-France. Marie-France from Germany. Et quand je me réveille, on dit, I'm afraid I can't help you. Oh, I'm so sorry. Unfortunately. Vous savez, les Anglais ont une façon courtoise de te dire non. Et là, j'ai beaucoup suivi mon intuition. Beaucoup. Beaucoup. En 2018, j'étais en France. Je venais me séparer de mon ex-mari. Un matin, je priais. 7 heures. Dieu me dit, va au Cameroun. J'ai dit, Wanda, j'ai dit, arrête de moi, Satan. Et il savait que j'avais pris du coaching avec le coach William. Donc, j'avais rendez-vous avec lui ce jour-là à 10 heures. Yeah, 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 they can put you down with a good smile. A good smile. You're like, oh, I'm so sorry. Oh, oh, you're the pretty silly girl. Silly. Là, ça fait la m'énerver souvent. Oh gosh. Et là, à 10 heures, j'ai ma séance avec le coach. Il me dit que le Seigneur est en train de faire quelque chose au Cameroun. Et ce sont les gens qui vont sauter. Je lui dis que tu sais quoi? Ce matin à 7 heures, on a été parlé 3 heures plus tard. À 7 heures, Dieu m'a dit de rentrer au Cameroun. Il dit ok. Tu attends quoi là? Et moi je suis là, like, you know, je suis quelqu'un que je connais couper les ponts. Sylvie, écris-moi encore. Je suis donc 3 semaines plus tard, j'étais au Cameroun avec mes amis, avec tout. J'étais au Cameroun. 3 semaines. Et ça fait 2 ans et demi que je suis rentré. En juin, ça va faire 3 ans. J'ai essayé, essayé, j'ai fait tellement de business. Tellement de business. Et ton et Claude Raymond, you're not my customer. Ok, Raymond. I don't have to summarize, I'm just telling my story. Ok. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu la tentation de retourner en famille.
Et vous savez, quand tu t'entoures de ton passé, tu retournes très sûrement dans le passé. Le kit de déblocage est disponible, oui. Voici même ça sur mon bureau. Donc, il y a le kit de déblocage, il y a tout ce qu'il y a. Kit attirance, le parfum, donne-moi tout. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Hein. Il y a eu des jours où j'ai dormi dans ma voiture. Parce que j'avais dit que je ne retourne pas en arrière. Il y a eu des jours où j'ai mis, porté tout mon argent, j'ai mis dans un business. J'ai tout perdu que... Je me retrouve comme ça, je n'ai même pas 5000 francs. Aïe, aïe, aïe. Mais ce que vous ignorez, c'est que quand tu es connecté, parfois, hein, les ancêtres ont besoin de bien régler ton cœur là. Que on a besoin que si à 2h, on te dit va à gauche, à 2h15, tu es en train d'aller à gauche. On te dit à 6h, chasse l'employé là. 6h03, tu as chassé. Vous comprenez bien. Et ce qui vous gêne souvent, ce qui vous bloque souvent, le parfum donne-moi tous ces 10 000 francs au Cameroun, c'est que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Eux, ils vous parlent. À un moment, vous devez éloigner votre passé de vous. Et vous restez, vous laissez les ancêtres vous mettre le rêve dans le cœur. Laissez-les ouvrir. Est-ce que vous savez que votre salaire mensuel, c'est déterminé par ce que vous croyez que vous pouvez gagner? Pense au chiffre que tu touches par mois. Ajoute 2 zéros sur ça. Est-ce que tu sais que tu peux avoir ça par mois? Tu as 100 000 francs le mois, ok? Après 100 000, c'est 1 million, après c'est 10 millions. Est-ce que, tu peux quitter de 100 000 à 10 millions le mois en CFA? Et quand tu écoutes le directive, ça ne trompe pas parce que quand il te montre, tu fais, ça donne. Il te montre, tu fais, ça donne. Vous faites des choses, ça ne donne pas depuis parce que vous êtes têtu. Et quand il parle comme ça là, ils sont entre vous. Il y a un truc dans ton cœur qu'on a dit de faire là. Tu es en train de, tu tournes depuis. Tu tournes toujours. Patrick Evini, savoir pourquoi tu ne te rappelles pas de ton rêve, ça va aider qui ici? Arrêtez avec vos questions égoïstes là. Pourquoi ma boutique ne marche pas? Pourquoi il ne me rappelle pas de mes rêves? Joséphine, call it ancestors, call it spirit of God, call it spirit of Jesus, call it whoever you want to call it. But it's a voice inside of you that will talk to you. If you want to listen, you will see miracles. Ajoutez les zéros sur vos revenus. Maman, j'aime les témoignages. Oh. Et je vous dis toujours que même ma propre vie d'abord sur le témoignage. L'autre jour, j'ai fait les captures d'écran, ceux qui sont sur mon WhatsApp. J'ai fait la capture d'écran, il dit que je vends l'huile célébrité. Moi-même, voilà ma panne, voilà mon témoignage sur ma célébrité. Je vends l'huile de la célébrité, je teste moi-même. Je teste moi-même. Mes huiles marchent. Les gens qui me connaissaient avant, j'avais les vidéos avec deux personnes qui me regardaient là. J'ai utilisé mon huile célébrité, vous-même vous me regardez maintenant. J'ai utilisé le parfum, donne-moi tout, maintenant vous me regardez. Parfois, on ne vous a pas tout dit. Écoutez, même si tu n'as pas de revenus, je vous dis toujours. Quand tu viens de tomber sur ma page, ce soir ou demain, prends le sel, tu mets dans l'eau. Tu lis le psaume 23 sur l'eau là, tu te laves avec. Fais ça pendant 3 semaines. Si tes revenus n'augmentent pas, tu me délaques ma page. Tu pars faire une page où tu parles de moi, tu dis que je suis menteuse. Et je sais que je suis menteuse.
Mettez le sel dans l'eau. Psaume 91, psaume 23, psaume 35. Lisez. Lavez-vous avec. Vous allez voir. Maintenant, le message que j'ai ce soir pour vous est... Je sais qu'il y en a parmi vous ce soir que c'est te demande que quel est ton salaire de rêve, quelle est ta voiture de rêve. Il y a des gens souvent qui viennent, quand ils sont en consultation avec moi, avant qu'ils fassent le lavage. Comme une dame est venue l'autre jour, j'ai fait le direct quand elle était là. Elle dit, ouais, on poste à Paris. À Paris, elle peut vous envoyer partout là-bas dans l'Europe. Ouais. Paris, États-Unis, Angleterre. Elle vient, je lui dis que lis tes désirs. Elle dit, moi, je veux que le Seigneur me donne ceci. Je la gronde. Clémence, tu es comme, tu as un esprit de pauvreté. Je veux briser l'esprit de pauvreté sur toi au nom puissant de Jésus. L'huile célébrité, huile attirance, parfum de moi tout, le parfum qui attire les hommes riches. Vous voulez être traité avec les gens riches. Et là, je demande à la dame pendant que je fais son lavage, je lui dis, pourquoi tu ne lis pas fort? Elle dit, moi, je ne sais pas, j'hésite un peu, non. Je dis, allez, lis fort. Elle comment dit, moi, je veux, mamie, au bout de 15 minutes, elle, au nom de Jésus, je reçois ma Lexus blanche. Oui, je construis mon duplex. Oui, j'ai dit que... Hey. C'est toi qui ne parlais pas ici, non? C'est une femme qui travaille, elle travaille donne, je pense. J'ai dit que voilà. Voilà. Quand tu vois ce que tu veux, tu déclares ce que tu veux, tu pars, tu agis sur ce que les ancêtres te montrent, tu vas avoir ton résultat. Ton entourage maintenant, c'est la personne avec qui tu te couches lui la nuit. B, je sais que j'ai la Starlet actuellement, mais est-ce que tu sais qu'au mois d'avril, je veux acheter la Cayenne? B va dire que, quoi? Qui va mettre le carburant dedans? Eh ouais! Ne parle plus de tes choses à B. Ne parle plus de tes choses à B. Tu dois avoir le B que quand tu dis B, je veux avoir 2000 euros de salaire. Il dit non chérie, tu mérites même 7000 euros. Allez, mets ton CV, mets l'application pour être manager. Tu peux être manager. Allez, vas-y. Vous avez besoin des gens qui vont vous encourager dans votre entourage. Je suis là et je vous dis, votre vie va avancer l'année-ci. Marquez bien ma parole. Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais acheté mes produits. Vous avez seulement écouté ce que j'ai dit. Vous êtes parti faire. Votre argent est en train d'augmenter. William Francis, c'est bien pour ton témoignage. Divine Lord, il faut encore m'écrire sur WhatsApp. Mon WhatsApp a mis 500 messages non lus. Parfois, il reste et prend mon téléphone comme ça là. Je n'ai même plus envie de toucher. Parce qu'il dit que c'est trop. Amen à Nassoma. Je m'accorde avec toi. You're going to become a nurse. Ok? Vous avez
peur. Moi, je me dis toujours, je ne veux pas mourir sans voir. Je ne veux pas mourir sans voir ce que j'aurais pu faire de ma vie. Marinette, je ne veux pas mourir sans voir ce que je peux donner le maximum. Je veux aussi conduire la Cayenne avant de mourir. Je vais avoir le jet privé, je vais entrer dedans, puisqu'on m'a dit que bienvenue à bord, madame la propriétaire. Lily Williams, j'ai deux secrétaires, s'il te plaît. Deux. Elle n'arrive pas à gérer tout WhatsApp. Vous voyez que Facebook, je n'ai même pas lu depuis. J'ai pris une autre qui va commencer lundi pour Facebook seulement. Le truc, c'est que vos messages, ce n'est pas ce genre de messages que... on va s'en dire bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non. Quand vous écrivez, il faut qu'on vous réponde et qu'on suive ce que vous demandez jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Et parmi vous, je peux savoir, je peux sentir ceux qui sont les décepticons. Vous êtes là, vous ne vous lavez pas au sel, vous n'avez pas d'esprit positif, vous venez dans le direct seulement pour déranger les gens. Tu dois te dire que je veux aussi voir mes immeubles avant de mourir. Et c'est qu'il y en a parmi vous, vous pensez que l'argent n'a rien à voir. L'argent... L'argent, c'est rien. Hein? Tu as l'argent, après tu meurs. Oui, tu n'as pas aussi l'argent, après tu meurs, n'est-ce pas? Je préfère avoir... Il y a les ruptures amoureuses. Que quand tu romps avec quelqu'un, et tu es sur le siège de ta grosse voiture qui te chauffe un peu comme ça, là. Bêta, tu pleures dans la clim. Que de pleurer. Ou dans le chauffage. Au lieu de pleurer à l'arrêt de bus avec le froid qui te ronge. Vous devez comprendre que vous aurez toujours, bien sûr, les gens qui vont venir pour vous décevoir. J'ai reçu une femme ici là l'autre jour. Elle me dit, j'ai pris mon mari et moi, on a commencé. Il y a de cela, peut-être 6 ans. C'est leur premier enfant à 5 ans. Elle avait ses idées, elle a aidé son mari. Aidé. Et étant la femme qui doit porter l'enfant, s'occuper des enfants, ceci, cela, avec les enfants, tout ce qu'elle faisait, elle restait en retrait. Et c'était le mari qui devait aller devant. Il fait le magasin, ça marche. Elle propose que je peux acheter les babouches chez moi au magasin, non. Il refuse. Parce qu'il sait qu'il veut tout contrôler. Pour son anniversaire de la femme, hein, il prétend lui offrir une voiture devant ses amis. Non, l'autre là, l'homme a gagné. Quand elle m'a raconté, elle dit que merde. Donc il vient, il fait comme c'était anniversaire surprise. Oh, ton copain, ton mari t'a offert la voiture. Oh, il est tellement mignon. Dès qu'il finit l'anniversaire, l'homme lui dit, l'homme a écrit ma voiture. Elle veut sortir, elle veut prendre la voiture. Ce n'est pas ta voiture, hein. Tu peux avoir ma voiture. Tu veux qu'on voit que tu as aussi la voiture, hein. J'ai dit que maman, donc l'homme la connaît que en faisant semblant de te donner la voiture, il sait qu'en fait tu mérites la voiture là. Mince. Non, j'ai confirmé. Elle vient ici, elle me dit, elle a les tontines secrètes. Yoti Oscar, ma mère s'appelait Aurélie, oui.
Vous savez, les gens qui viennent faire les mauvais commentaires, c'est comme ça. Quand tu deviens populaire, tu n'as plus... Les gens vont venir, certains vont pas aimer ce que tu fais, certains vont aimer. Mais moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Donc, vraiment, votre opinion, malheureusement, je m'en fous. Je vois que ça ne plaît pas à certaines personnes. Yeah, donc, tu as trouvé. Eh, ma sauce gombo, merci. Pardon. Ah, d'accord. Eh, oh, pardon. Il y a mes déceptions sur la vidéo aussi. Maintenant, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que les gens vont toujours parler, les gens vont mal parler, ils vont bien parler. Faites seulement ce que vous avez à faire. Monsieur. De quoi? Tu es en train de trouver mon Dieu. Pardon. Ouais. Voilà. Ce n'est pas ça. Arrêtez ça, pardon. Ouais. J'ai presque fini. J'ai des questions déjà ici. Pardon, attends d'abord. Vous voulez les coups d'œil? Vous aimez trop quand j'ai des coups d'œil sur vous. Léonard Ndoumbé, je n'ai pas de thème. Je me connecte comme ça, je dis seulement ce que les ancêtres me disent de dire. Vous avez compris, non? Vous voulez que vous regardez? Je vous regarde. Ta soeur a fait un témoignage. Bon, attendez, je vais jeter les coups d'œil sur vous alors. Asana Nasoma, don't hesitate. Don't hesitate, ok? Ça veut dire que le père t'attend déjà. Oh my God. Vous me plaisez, vous, sur la page ici. Oh Seigneur. Attendez, je vais jeter les coups d'œil sur vos noms maintenant. On va essayer de faire ça. Christy Agbe. Et tu es très triste. Tu es trop sur le passé. Tu es trop. Tu penses au passé. Ça t'es pas bien. Flore Kameni. Tu as trop peur de l'opinion des gens dans ta vie. Et tu as peur de te lancer. Sandrine Balata. Flore Kameni, lance-toi s'il te plaît. Les gens te voient et tu ressembles à une reine. On voit que tu as beaucoup d'argent. Et toi, tu ne veux pas. Kébit Safak, tu es très belle. Très intelligente. Mais tu te sabotes. Quand tu fais les choses, tu n'aimes même pas qu'on te paye. Tu n'aimes pas qu'on te donne l'argent. Il faut arrêter ça. Nathalie Tchetou, pardon. Pardon. Lave-toi bien au sel. Tu as sûrement des idées de business que tu as peur, sur lesquelles tu as peur d'agir. Lance-toi dessus. Florence Mandé. Mandéa. Si vos noms ne sont pas les vrais noms que vous avez, c'est chaud. Parce que vous avez sur Facebook, vous avez des noms bizarres. Louise Bema. Voile sur le visage. Nettoie-toi. Bénis ton huile d'olive. Tu oignes beaucoup ton visage. Patrick Evini. Tu as des vibrations mixées. Parfois, tu peux être vraiment top. Tu crois. Mais après, toi-même, tu te sabotes. Alors que ton apparence physique, les gens aiment beaucoup. Tu es très beau. Daniel Salissou. Arrête d'attendre qu'on s'occupe de toi, Daniel.
Arrête d'attendre qu'on s'occupe de toi, Daniel. Coupe. Si tu dois même le faire, coupe-toi de tout. Commence à avoir ton propre agent. Lors, Nana, tu as une notion présidentielle. Tu aimes trop les belles choses. Tu aimes la noblesse. Tu aimes les choses nobles, là. Il faut faire les gros business, genre, tu fournis les services aux gens. Tu as déjà l'impression que par business, on doit donner même 100 000 francs pour une heure de coaching ou deux heures de coaching. Fortuna, tu attends trop. Ton entourage, là où tu as grandi, ça t'a beaucoup. Ça n'a pas joué dans ton avantage. Beaucoup d'entre vous, vous devez couper le passé. Couper ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit. Pour avancer. Manu Manuela, arrête de faire l'enfant. Grandis. Manu Manuela, tu peux déjà dépanner tes parents. Tu peux déjà même construire la maison quelque au village. Sorel, donc, tu es là, tu attends toujours. Tu attends toujours. Je ne sais pas si tu as prévu de faire un visa pour aller à l'étranger. Sorel, donc. Sintish Mafomba. Tu as beaucoup de rêves, mais tu as peur d'agir sur les rêves. Parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser? Genre, pour le mois, ce qui arrive là, tout ce que tu voulais faire, fais. Just jump and do it. Jump and do it. Your energy is ready, but no, you know. Juliette Mukoro. Les ancêtres, tu as une connexion avec les ancêtres, Juliette. Mais tu ne crois pas en ce qu'ils te disent. Les ancêtres ne sont pas dans ta vie pour te dérouter. Ce qu'ils ont à te dire, c'est censé pider pour avancer dans la journée. Ils te parlent dans la nuit, dans la journée, ça t'aide. Je n'aime pas trop faire les lectures individuelles parce que, supposons je rate le nombre de... Il y a peut-être 500 personnes connectées et je n'arrive à lire que peut-être 30 personnes. Le reste des 470 personnes vont faire comment? C'est ça que je ne fais plus les lectures individuelles. Chimène Laure, tu as beaucoup de trucs que tu veux lancer. Les nouveaux business. Tu te vois vraiment en train de prospérer. Prends l'huile prospérité. Quand tu vas acheter des choses, prends l'huile prospérité. Karine Bella. Arrange ton apparence physique, Karine Bella. Ça va beaucoup t'aider. Virginie Bentley. Oh, les bons goûts. Tu as les bons goûts, ma chérie. Maintenant, assois-toi, tu travailles. Tu travailles. Tu vas concevoir des business qui vont te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Parce que les désirs qu'il y a dans toi, ce n'est pas le hasard, ma chérie. Pas le hasard. Et on t'a toujours dit que tu rêves trop grand. Ne laisse pas te décourager. Micheline de Soum, tu es tombée plusieurs fois. Maintenant, il faut que tu te relèves. Micheline de Soum, prescription pour toi. Poste sur ton statut WhatsApp pendant 30 jours une photo de toi chaque jour. Ça, c'est ce que j'entends. Ils me disent de te dire. Ça va augmenter ta confiance en toi. Sorel Joyap. Sorel Joyap. Arrête de regarder dans le passé. Tu as beaucoup d'argent qui veut venir à toi, mais tu vois trop le passé. Je devais avoir ça, j'étais censé être ça, on devait me donner ça. Il faut que tu oublies ça. Claire Ngachu, Ganchu. Tu as un peu ce syndrome là où on ment beaucoup sur toi ou bien justement comme je ne te vois pas, c'est quelque chose qui est sur toi depuis longtemps. Bon, en passant, on a coupé la lumière, c'est le Cameroun. On est habitué, c'est pas grave. Pardon, mettez le groupe au...
On est habitué. Hein? Ah, le Cameroun. Bon. Comme la lumière est partie là, c'est grave. Pardon, mettez le groupe, non? Et Néo frappe toujours. Est-ce que Néo vous demande? Nadine Ngono. Tu vas épouser un homme très riche. Catherine Oba, il faut m'écrire encore. Ne me demandez plus les consultations, je vous en prie. Je suis à Yaoundé lundi. S'il y a trop de consultations à Yaoundé, peut-être je vais faire lundi et mardi. Et Néo avait les mauvais esprits. Vous pouvez mettre le groupe. Ok. Bon, attendez, j'essaie de lire deux, trois personnes et puis après. Anne Taboula, tu vis encore chez les gens? Tu vis encore chez tes parents, Anne? Tu as peur de ce que tu pourrais faire si jamais tu te lances seule? Lance-toi. Linda, mais vous se devez. Tu vas voyager pour la Côte d'Ivoire. Ok, viens chercher les kits. Hein. Pour Yaoundé, vous contactez le numéro qui est en haut là-bas. J'ai tellement de consultations à Yaoundé que je pense que je vais faire lundi et mardi à Yaoundé. Parce que là, c'est trop. Feuquin Clémence. Clémence, ton souci, c'est que tu attends beaucoup. La vie des gens. Beaucoup. Et là, quand tu m'écoutes comme ça, ton cœur, ça jaillit, en fait, ça bondit. Mais dès que ça va finir et ça va s'éteindre là, tu vas rentrer encore dans l'ancien truc. Tu ne laisses pas ton rêve passer et venir dans notre réalité. Et ça te gêne beaucoup. Je ne suis pas à Bépanda, je suis à Makepe maintenant. Lorraine Gwandok, tu aimes beaucoup t'effacer, tu aimes t'éclipser. Il me demande de te dire qu'ils ne peuvent rien contre toi. Ces gens-là ne peuvent rien contre toi. Le courant n'est pas revenu. On va brancher le groupe. C'est seulement. Ils sont en train de chercher un câble dont ils ont besoin pour brancher le groupe sur le truc là. Mmh.
Vous savez vous-même que celui qui est sur ma page parce qu'il cherche le... qu'on l'éblouisse. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Absolument pas. C'est pas ici que vous allez avoir ça. Vous savez, dans ma vie, j'ai parcouru beaucoup d'étapes. J'ai eu l'étape où je voulais l'apparence. J'étais, vous me regardiez, je faisais John Sang, j'avais la peau blanche et rouge à lèvres rouge. Donc imaginez, en plus j'avais mes fossettes là. Ça donnait jusqu'à. Et après, je me suis rendu compte que il y a un travail de fond qui manque. J'ai enlevé tout le make-up, tout ça. Je me suis mise comme vous me voyez là. Pour que vous puissiez me voir. Comme vous me voyez là. C'est là que mon vrai travail de fond a commencé. Et j'ai accepté l'appel qu'ils avaient pour moi. À un moment, vous devez. Je disais ça l'autre jour à quelqu'un que je conseillais. Je disais que tu dois mordre la poussière. À un moment, tu vas oublier tous tes make-up là. Parce que tu fais des vidéos la nuit, jusqu'à 3 h du matin. On coupe la lumière, tu mets le téléphone comme ça là, tu regardes pour lire. Parce que tu as dit que je dois poster ça. Vous n'avez pas encore mordu la poussière pour travailler. Hey, on a remis la lumière. Et Néo, on s'en fout de toi. Yes. Oh, attendez, il faut baisser tension. Et vous avez besoin d'une motivation. Peut-être tu es arrivé à un moment de ta vie où le père de tes enfants t'a trop fait chier. Moi, mon moment clé, j'étais en France, j'étais mariée, femme battue. Un jour, ma fille rentre de l'école en rentrant. Elle le trouve en train de me taper dessus. Il m'avait déshabillée. En me déshabillant, c'est pas le genre, j'étais déshabillée, il devait me taper quand j'étais déshabillée. Non, j'étais habillée. Il a tiré les habits sur moi, ça a tiré, ça s'est déchiré, tiré, tiré mon collier, tout, tiré, tiré. Tout ça a été nu. Quand j'étais nue, c'est là que l'enfant ouvre la porte, elle rentre à la maison. Et quand il voit l'enfant, il me tape encore. Pendant qu'il est en train de me faire taper dessus, il reste conseil, il dit que mince. Si je meurs ici devant mon enfant, dans un pays où je n'ai même personne, je vais dire que quoi? J'ai joué le jeu, parce qu'à un moment, tu dois être sage. Un noir camerounais comme moi. Je me suis tue. Parce que tout son problème, c'était qu'il ne voulait plus que je parle. Il a fini. J'ai pris mon enfant dans mes bras. Parce que bien sûr, un enfant qui voit sa mère se fait taper, elle va pleurer, crier, tout ça. Le lendemain, j'ai porté mon sac. Il dit, je pars avec l'enfant. Et bien sûr, quand quelqu'un paye le loyer, tu vis quelque part, quelqu'un paye le loyer, et la personne connaît que là où tu es, là, tu n'as pas encore de carte bancaire pour dire que tu vas avoir l'argent toi-même. Je sors, je prends la valise, je sors, je dis que je ne reviens plus, je me fâche. Je tire l'enfant sous le froid. C'était le septembre ou octobre. Soit septembre, octobre, soit février. Février, je pense que c'est février qu'on avait eu la troisième fois. C'était la troisième fois qu'il me tapait dessus. Et là, je sors, j'étais à l'arrêt de bus avec l'enfant comme ça. Parce que quand tu sortais, quand c'est en France, tu appelles, il y a un numéro que tu as appelé. Tu lui as dit tout le temps, voilà, tu appelles tous les 5 minutes, tu appelles jusqu'à ce qu'il décroche. Sur le 115 ou sur le 100, combien ou j'appelle. Après, il me dit qu'attendez, rappelez-nous dans 1 heure, on va voir. Je suis à l'arrêt de bus avec l'enfant. J'ai dit que je n'ai pas d'endroit parti. Je n'ai personne que je peux appeler. C'est resté comme ça.
J'ai dit, j'ai pris. Donc, comment dire que tu fais le contrat avec toi-même? Je ne serai plus jamais aussi pauvre. Même pas que pauvre, mais aussi impuissante. J'arrive à l'hôtel. Et l'hôtel qu'on avait donné sur le lit à étage, dans une petite salle comme ça là. Maman, une autre fois, il m'a strangle. Il avait mis son pied sur mon cou. Je suis en train de couper. Ma respiration s'est coupée pendant. C'est 5 secondes. Parce qu'il croyait qu'il partait. Après, je suis en les vapes comme ça. Il dit que si je meurs ici, je vais dire que quoi? C'était l'homme de quoi? Jesus! Oh, Jesus is Lord. J'ai fait le contrat avec moi-même. Comme on dit que les accords Toltec. J'ai fait le contrat avec moi-même. Que Jocelyne, le cœur, si là, ça va pomper le sang. Ça va pomper le sang. Ta tête, ce n'est pas pour réfléchir sur l'homme. Crée tes business. Et puis de toutes les façons, c'est toi qui as jugé. Girl, c'est toi. Ce n'est pas toi qui as porté tes pieds, tu es parti là-bas. J'ai dit oui. C'est toi qui as fait. J'ai dit oui. J'ai dit oui, ok. C'est toi qui as cherché, non? Oui. C'est bon. Parfois, tu restes. C'est ça qui va te donner la détermination pour que. Quand les gens rentrent à 17h, je dis toi, mes employés, c'est maintenant là que les employés sont en train de prendre le rythme. Je leur dis toujours que moi j'ai 3 shifts. Je travaille à mon compte, mais j'ai 3 shifts. Le shift du matin qui commence 4h35. 5h, 8h. Je pointe. Vous arrivez à 8h. Vous rentrez à 18h. 8h, 18h. Je pointe. Quand vous partez, je commence à quoi pointer? Je dors à 23h30. Je vous fais ça hands up, like, whatever, you know. Je vous fais ça easy peasy. Je vous aligne ça sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme vous voulez. Oh, j'ai fait mon petit boulot, j'ai travaillé. Oh, je suis essoufflée. Oh, franchement, je dois regarder un novelas ce soir. Je dois regarder une série télévisée. Oh, franchement, tu n'es pas prête. Je t'ai dit, hurrah, vous avez besoin qu'on vous parle. Tu n'es pas prête. Vous aimez qu'on prophétise sur vous, hein? On vous donne les donne-moi tout, non? Quand il prend le donne-moi tout, je mets dans ma, sur mes mains comme ça, et fait comme ça, que je reçois, je prends la boule de commandement. Je m'assure que je travaille pour mettre à côté. Vous comprenez bien? Et quand tu quittes même d'une relationship, on te menaçait. Tu arrêtes une relation, on te menaçait. Ton plus important, ce n'est pas une autre relation, ma chérie. Je vous dis moi clairement. Construis. Construis ton futur. Chacun de tes enfants doit avoir un terrain ou 2 ou 5 terrains à leur nom. Mets l'argent de côté pour eux. Vous parlez de quoi? Planifie, travaille. Prends tes enfants, ils deviennent tes employés. Je paye mes enfants, mes chers. Quelqu'un qui est ici, bon, je le paye. Ma fille rentre de l'école, elle pointe, après elle étudie. Elle finit, elle fait les cours de répétition. Elle finit les cours de répétition, elle vient ici, elle a besoin de pointe. Après, elle la paye. Parce que vous aimez trop le. Tu n'es pas fatigué de dormir sur le canapé des gens. Tu n'es pas fatigué d'attendre toujours, tu demandes un peu d'argent, ils te cabossent, on te met l'œil au beurre noir, comme ça là. Avant de te donner un petit 50 000. Tu ne te connais pas, ma chérie. Il y en a parmi vous, c'est vous qui ouvrez les restaurants. Vous avez le restaurant pour vous deux, c'est l'homme et la femme. Tu te lèves à 4 heures, tu fais tout la nourriture, tu apprêtes tout, il vient à 9 heures. C'est lui qui a la caisse. Après, tu ne vois pas l'argent de la nourriture que tu t'es levé pour préparer et passer. Et il y en a parmi vous, c'est quand vous allez arrêter certaines relations, votre argent va rester dans votre main. Vos clients vont venir.
Quand tu n'as pas l'argent, ce n'est pas sucré. Mof. Oui, il veut m'arracher les cheveux. Quand l'homme te tape, il veut seulement que te défigurer. Il te sort le kung fu. Tu es la femme. Hein? Oh, les femmes, si. Je dis que... C'est mieux de pleurer dans ta Mercedes. Tu arrives dans le portail comme ça, tu appuies, ça s'ouvre que douce. Tu as au moins 10 employés dans la maison. Tu as le jardinier, tu as celui qui lave les habits, tu as celui qui fait ta nourriture, tu as celui qui... Oh, quand vous parlez même de quoi? Money des suites. Money des suites. Mais vous n'avez pas encore la détermination. Ce n'est pas encore là-dedans. T'es pas encore dedans. Tes émotions encore te prennent trop. Tu pleures, tu es dans ta voiture climatisée. Tu rentres dans ton bureau, c'est climatisé. Oui. Tu vois l'argent, ça, tu mets sur ton oreiller. L'argent là va te calmer. Le Cameroun t'apprend ça très vite. Hein. On te manque de respect au Cameroun, ça, tu n'as pas l'argent. Par contre, quand tu as l'argent, oh. Tata, la mère, la mère. Ah. Aïe, 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 laissez. Laissez. Trouvez votre déclic. Trouvez votre don. Que tu as dit que la ligne-ci, c'était ma dernière ligne. Je ne vais plus traverser ça. C'est fini. L'argent que je vois dans mon compte bancaire ce soir, ce sera le plus bas que je vais arriver avec mon argent un jour. Le plus bas. Vous devez avoir même 5 activités dans la journée. 5 sources de revenus. Tu vas, tu prends les argent, tu pars déposer au boutique qui est là-bas. Tu fais les beignets, tu pars déposer là-bas, la boutique qui est là-bas. Tu fais encore ça, tu pars et tu portes encore les longues riches, tu mets dans ton sac pour partir. Tu peux, mais vous parlez même de quoi? Ça va évoluer. Ce qui est bien sur le business, c'est que ça évolue. Ça évolue. Même si c'est seulement ton endroit où tu déposes la table pour faire le poisson brisé, va faire, ma chérie. Mais tu dois être en action. Tu dois être en action. Wow, Colo, qu'est-ce qui se passe encore? Hein, papa, vous avez allumé le groupe, non? Non, c'est Néo qui a allumé. Ah, la lumière était revenue. Hein? Ouais. Pardon, allumé, il faut le groupe, non? Moi, nous sommes fait marcher avec les affaires. Ah, ok. Moi, je n'aime pas le chantage. J'aime le chantage de Néo, ça ne me plaît pas, moi. Je ne sais pas pourquoi. Quand Néo fait ça, il dit qu'il m'a fouqué là-bas. Vous m'entendez, non? Une femme ne doit pas faire seulement quelque chose, elle doit faire plusieurs choses. Plusieurs choses. Rosine Pamek, pour maîtriser ses émotions, hein, tu dois mesurer ce qui se passe quand tes émotions te submergent. Comparé à ce qui se passe quand tu maîtrises tes émotions. Tant que tu pèses et tu ne vois pas que... Supposons peut-être tes émotions t'amènent toujours dans la pauvreté. Si tu aimes encore la pauvreté jusqu'aujourd'hui, c'est que tu n'es pas encore prête. Maintenant, supposons que tu maîtrises tes émotions, tu te lèves, tu te disciplines. Tu peux faire ton sport, tu peux vendre ta marchandise, tu peux parler aux clients, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mm-hmm. Pèse. Quand mes émotions me dirigent, je suis pauvre. Est-ce que j'aime la pauvreté là? Quand je maîtrise mes émotions, c'est moi qui domine. Est-ce que j'aime là où ça m'amène? Tout ce qu'on vous dit que non, tu sais, tu es une femme. De toutes les façons, tu as aussi les émotions. Gna, 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 gna. C'est pour vous endormir là-bas. C'est moi qui vous dis. Vous devez avoir la rage de réussir. Il n'y a pas le blocage. Nombre 23, verset 23.
Aucune incantation ne peut marcher contre Jocelyne. Vous mettez votre nom là-dessus. Aucune incantation. Ton âme doit être convaincue. Ton esprit, dont on te remet à minuit, on verse l'eau froide sur toi. On te revendique, on t'a maudit. Tu dis jamais. Je suis immaudissable. C'est là que vous allez commencer à voler dans vos rêves. Les ailes vont pousser dans vos rêves, vous allez voler. Vous allez commencer à gifler les monstres dans votre rêve, couper leur tête. Couper leur tête dans les rêves comme ça là. Et la rage. Les émotions ne servent à rien. Les émotions ne servent pas. Ça doit être contrôlé. L'autre là, l'ancien président des États-Unis là. L'ancien, l'autre, Trump. Quand Trump s'est marié avec sa femme qu'il a aujourd'hui là, hein, Ivana, ils ont fait le prenup. Je t'aime bébé, tu m'aimes bébé. J'ai deux femmes qui sont venues, elles ont fait ceci sur mon argent. Hein. Gars, tu sais quoi? Signons d'abord les affaires là. Si un jour tu dis que tu veux partir, tu ne prends pas plus de telle somme dans mon argent. Je peux librement chercher mon argent. Si tu te montres ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Ce n'est pas sur moi. Nos enfants sont assurés. Parce que ce sont aussi mes enfants. On enlève les émotions sur le business. This is business. This is no joke. Vous avez mélangé tout. Émotion, ceci, cela, agent. Oh, je ne sens pas que j'ai envie d'aller. Non, lève-toi, tu peux faire ton agent. Et les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Soyez réglo dans vos choses. Même si quelqu'un sait que ce qu'elle me donne là, je ne suis pas sûr si elle va me donner là, vrai ou pas. Tu es dans la caisse, sujet à la caisse de quelqu'un. Ne prends pas 5 francs sur ça. Donne-lui son argent net. Tu vas voir. Ouais, le principe où Jésus disait toujours que si tu ne t'occupes pas bien de la chose de quelqu'un, qui va te donner pour toi? Même si on t'exploite, tu t'occupes fidèlement. Un jour, tu vas voir que quelqu'un va porter et te donner que mamie prend. Que mamie prend. Vous êtes en retard dans votre vie. Votre grossesse est 50 mois de grossesse. Vous devez avoir accouché depuis longtemps. Depuis from. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un passer avec la Cayenne, ça t'énerve. Parce que tu connais dans ton cœur que ça, c'est la voiture que je devais avoir. Tu es là, tu laisses ton cabot avec les émotions. On te fait le quoi-fi. Fâchez-vous sur votre vie. On sait toujours que c'est moi qui demande à la famille. C'est toujours moi qu'on doit cotiser pour payer mon billet d'avion. C'est toujours moi qu'on doit cotiser. Non. Faites des dons dans les orphelinats cette année. Occupez-vous de votre grand-mère. Envoyez son argent chaque mois. Occupez-vous de votre mère. Votre grand-mère a les oncles et tantes, non? Vos oncles sont, c'est leur mère, non? Laissez-les vous occuper de votre grand-mère. Vous allez voir. Pensez comme un boss. Pas les affaires que... Oh, on sait que si on fait les cotisations familiales, tu vas toujours envoyer 500 ou 2000. Non. Tu attends que tout le monde cotise. Tu dis, il reste combien? On dit 200 000. Tu tapes 200 000. Bam! On impose le respect, s'il vous plaît. Ça s'impose. Ça ne se demande pas. Et là où vous êtes, peu importe le sommet que vous avez atteint, il y a encore plus. Parfois, les gens de ta famille te voient et disent que, waouh, elle est déjà à 3 000 euros de salaire. Waouh! Je te vois dans 30 000 euros de mois. Tu dois arriver à un niveau où même l'assurance annuelle de ta voiture, tu payes ça cash en une journée.
J'ai vécu en Angleterre. Ce qui tue les Anglais, c'est l'assurance. La voiture est moins chère, mais l'assurance est. Avant de dire les assurances de 1500 le mois. Tu alignes dans l'autre, on s'en a 30 ou 25 000 euros, pap, pour l'assurance. Il y a des voitures que, parfois, quand tu vois la voiture, tu pleures le carburant de la personne qui conduit la voiture là. Écoutez, l'année-ci, vous allez conduire des voitures que vous serez toujours plein. Votre ce réservoir sera toujours plein. Soulevez vos pensées, s'il vous plaît. Soulevez vos pensées. Tu es tout là, tu que je vais avoir ma petite toilette. Je vais avoir ma petite. Je vais mettre le carburant de 20 pounds. Je fais 2 semaines avec elle. Hey, 10 pounds par semaine. Ouais. Nawati. Donc tu es venu accompagner les gens sur la terre. Massa. Mais arrêtez. Pensez grand. Vous pleurez l'assurance en Angleterre. Il y a des gens qui vous payent ça même. Donc, hoha, ils t'allument ça même pour 1 an une fois. Parfois, il peut même 2 ans une fois qu'ils quittent tout ça. Dites-vous toujours que l'argent que je pleure aujourd'hui, il y a quelqu'un sur la terre qui paye ça sans se casser. Pour lui, c'est l'argent du gardien. J'ai fait une petite Toyota. J'ai fait une petite. Quand on te dit qu'on te parle de Range Rover, tu dis hey, l'assurance seulement va me tuer, ça va prendre tout mon salaire. Tu connais la sensation qu'il y a dans une grosse voiture. Oh là là. Premièrement, ce qui me plaît dedans, c'est que tu es en haut de tout le monde. Il n'aime pas conduire, tu es en haut. On se regarde comme ça. Là. Non, je vais te regarder, tu me regardes en haut comme ça. Là. Excusez-moi, je suis trop insolente. C'est pour ça qu'elle bosse, parce que bosser aussi fou même. Parce que quand tu parles, même si tu es insolent, tu as la politique de témoin, tu ne demandes pas à quelqu'un. Par le genre, tu as supplié le gars que chérie, est-ce que tu peux me donner? Et tu sais, l'autre jour, je réfléchissais. Si tu sors avec un gars et que tu dois attendre que le gars là t'achète quelque chose, la voiture, il faut d'abord que le gars achète pour lui avant d'acheter pour toi. Donc, si tu attends que le gars t'achète la Cayenne, il faut d'abord que le gars ait plus que la Cayenne avant de t'acheter la Cayenne. Vous voyez un peu, non? Je connais les filles que vous avez dans le direct avec l'insolence. Ayez seulement votre argent, je vous en prie. Ayez votre argent. Beyoncé a chanté que the best revenge is your paper. The best revenge is your paper. Tu es arrivé dans le pays là, ils ne t'ont pas monté. Comment tu pouvais faire pour avoir les papiers? Comment tu pouvais faire pour avoir le boulot? Comment tu pouvais? Tu gardes le Range Rover là au Cayenne. Montons pas fin tout. Tu tapes le plomb comme ça là, 150 pounds de carburant en une fois. Devant eux comme ça, tu dépenses 1000 pounds. Ils disent que... Elle veut nous montrer quoi? Excusez-moi, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, je ne veux pas vous impressionner. This is just how I am. So, je vous donne la clé de la liberté aujourd'hui. Vous m'entendez? Je vous donne l'autorisation d'être riche. Je mets sur... Ok, prenez vos mains, vous déposez sur vos épaules. Je vous donne maintenant. Soyez riche. Je vous permets. Je vous permets. On vous a trop frustré. Vous avez trop demandé l'autorisation. Tu as ton argent, tu demandes si tu peux manger ton argent. Tu demandes si tu peux te faire plaisir avec une voiture que tu rêves depuis. Oh, yaya, Chanda. Et le truc, c'est que l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire, tu commences à prendre l'argent. Tu achètes la voiture que tu veux. Tu achètes la voiture là, hein. Dès que la voiture là touche ta main, tu veux encore l'autre voiture. Et plus grosse que ça, hein. Vous êtes bloqué parce que votre argent ne circule pas.
Quand ça va commencer à circuler, c'est pour ça que tu vas pas souvent enrichir. Il a même cette voiture dans son parking. Parce qu'il a acheté un, c'était sucré. Il a encore acheté l'autre. C'était sucré. Il a encore acheté l'autre. Ah, mais c'était sucré. Et l'argent était venu. Laissez. Je vais arriver dans vos pays comme ça là. Moi-même, je vais louer ma Lamborghini. Vous allez me dire que ma reine, prends mon range en voiture pavée. Je vais dire que non, laisse, ne t'inquiète pas. Quatre voitures dans le parking, que ma reine, je te donne une de mes villas pour que tu puisses rester là-bas. Je dis que ouais, ne te dérange pas. Ah, écoutez, ouais, Seigneur. Mais pas comme ça, vous voyez dans votre tête, non. Vous voyez. Quand votre œil s'est activé, comme je vous parle là, personne ne peut venir enlever cela. Personne. Tu te couches la nuit, c'est comme ça pour dormir, tu ne fais que sourire. Ton gars demande que c'est quoi, non? Tu es là. Ton gars demande que partage aussi, mamie. Mm-hmm. Tu souris seulement. Parce que tu sais que ce que tu as vu ce soir, tu t'es rappelé de ce que tu, de qui tu étais. Tu t'es rappelé. Oh, il fut une époque, je rêvais avoir la belle ligne. Ma chérie, je te donne 18 mois pour avoir la belle là. Compte bien. Je sais que vous allez venir témoigner. En témoignant pour vous, moi, je veux témoigner aussi pour moi. Je vais vous montrer ma peau aussi. 18 mois. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont très riches. Mais ce n'est pas tous les hommes riches qui rêvent de choses luxueuses. C'est pour ça que quand il y a que très peu de personnes qui ont de grosses voitures, genre la Phantom, la Bentley, très peu de personnes ont ça ici à Douala. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas acheter, ils peuvent acheter. Et les goûts, expensive taste, you know. Tu restes dans ça, tu dis que tu veux le lait qu'on a puisé dans un poisson qui vit dans les airs, je ne sais pas trop quoi. Que c'est que ça qu'on est parti chercher pour y te donner. Je veux du caviar blanc. Des œufs de poisson blanc. Je veux pas du noir, je veux du blanc. Ce qu'on a pris sur l'Antarctique ou bien au sommet de l'Himalaya. Oui. C'est ton argent, non, mamie? C'est ton argent, non? Je vous permets de prospérer. Je vous donne l'autorisation. Faites le papier, vous écrivez, vous accrochez sur votre mur. Que la reine Jocelyne m'a permis d'avoir l'argent maintenant. C'est bon. Je peux. J'ai passé mon diplôme. Je vous ai dit que l'album de mon single va sortir bientôt. Donc quand il va sortir ça, vous allez partir sur ma chaîne YouTube, vous allez vous abonner. Et vous allez écouter ma musique, vous allez partager ma musique. Je suis devenue une artiste. Mm-hmm. Je suis artiste et j'ai chanté. Quand vous allez écouter la chanson là, vous allez mettre ça dans votre voiture, vous allez mettre le volume. Que dum, dum, dum. Vous allez faire même 100 000 dollars depuis ce jour-là. Laissez. Vous avez déjà appelé, vous avez donné le certificat aujourd'hui. Et il y a beaucoup parmi vous, vous avez envie de chanter depuis. Allez en studio chanter, s'il vous plaît. Allez en studio chanter. Moi, j'aime les choses comme ça. Il peut passer toute une soirée à vous parler des choses comme ça, les bonnes choses. La sauce gombo, il parle des bonnes choses, ça me plaît. Oui, sorti le 11 février. Je vais essayer de mettre ça sur les plateformes, là, les iTunes, les ceci, cela. Allez là-bas, vous abonnez où? Ce sera la chanson de la gloire glorieuse. L'autre jour, j'étais en train de partir à Limbé. J'ai mis ça dans la voiture. Et je n'ai pas dit au chauffeur que c'est ma chanson. Donc,
Je mets le connecte le Bluetooth sur le truc et il commence à jouer. À la fin, je vois qu'il commence à faire God is gonna make a way for you. Il commence à chanter, il fait ça. Il dit que tu aimes la chanson là. Il dit oui, 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 oui. Après, il dit que c'est moi qui chante. Il dit wow. Il dit que that's nice. Like, l'effet que ça m'a fait, je sais pas si je peux, je sais même pas comment il peut exprimer ça. That was really good. God is gonna make a way for you. He's not a man that he should lie. Dans la chanson là, je parle au roi et aux reines. Vous devez mettre vos couronnes. Et bien, ce Fortify, je vais mettre ce Sporty alors, ok. J'ai bien envie de faire des chansons motivantes, genre. Quand tu as fait ton sport ou bien quand tu es dans ton, dans ton bureau pour le business, tu écoutes ça. I can make millions today. Il faut que je chante une chanson comme ça. I can do anything through Christ. Yeah. Bring me the work. Oh my God. This is funny. Thank you. Ok, vous avez dit Tubidi, Sporty. Je crois qu'il y a iTunes. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Ouais. En 2016, j'avais pris une coach vocale. Hein. J'ai fait 2 mois de cours. Après, j'ai abandonné. Ma confiance en moi était trop basse. Je me suis dit, non, je peux pas. J'ai laissé. Et ça va, c'était en 2021 que j'allais revenir dessus et chanter. Mm-hmm. Ok, je sais que vous avez eu beaucoup. Quand vous restez, vous voulez que je reste en direct comme ça toute la journée, je sais, je vous connais. Mais vous savez que j'ai une vie aussi, non? Je dois aller dormir. I got a little bit of a French accent when I speak English. Just a little bit. Vous voyez, vous voulez qu'il reste. Je vais mettre la caméra en direct comme ça là sur mon lit. Je vais dormir. Je serai couché, je vais dormir. Vous allez me regarder dans mon sommeil. Et c'est que si je fais ça, vous allez tout regarder. Je vous connais. Ou bien même une caméra là dehors. Ça filme Anatole. Les chroniques d'Anatole dans la journée. Que le père m'attend, hein, Mohamed. Le père m'attend. Il va attendre un peu, non? On dit que le père m'attend. Le père. On dit que le père m'attend. Ouais. Les Facebookiens, c'est... Ils aiment trop me cafouiller ici, là. Oh my gosh. All right. Oui, j'ai arrêté la voyance. Voilà, merci beaucoup, Autrou Yaya. Je te bénis. Tu me dis que je dois me reposer. Voilà, je vais écouter Autrou Yaya. Je vais aller me reposer, ok. Je pars me reposer. Autrou Yaya dit qu'il doit me reposer. Je pars me reposer. I'm not American. I was in England. So I got like a Brummy accent. Yes. Just a little bit. Because I've been here for like 2 years. J'aime beaucoup voyager. Dans les aéroports, tu rencontres... toutes sortes de personnes. Tu peux rencontrer un Américain, tu rencontres un Turc, tu rencontres un... Donc, I just love it. Et il y a aussi le Airbnb en Europe. J'aimais beaucoup faire le Airbnb. Parce que je pouvais recevoir de toute qualité, tu vois. C'était... Like, I just love it. That was so cool. That was good. Et j'aimais recevoir les gens qui viennent d'arriver dans un pays. Quand j'aimais trop. C'est beau. On peut parler, on peut changer les idées. That was good. OK. Maurice Mafek. Quand tout ce que je fais bien. Si je donne les choses au père, je donne bien. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de me dire. Tu n'as même pas besoin de me dire. Je sais que vous aimez trop ça. Hey! Vous voyez qu'Anatole ressemble à qui? Anatole dans ma maison aussi ressemble à qui? Hein? Les gens, ils ne me connaissent pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Hein?
Bon, partagez ma vidéo. Ok, ça va aider quelqu'un. Ça va beaucoup motiver quelqu'un. Parce que pour certains d'entre vous, ce que je dis, c'est la routine. Genre, mais je connais déjà ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans le trou. Et qui ont besoin de sortir de là. I'm going to visit England. I'm coming back, you know. I'm not done with you guys. I have a lot of things to do in Europe, Canada, US. I have a lot of things. Bonne nuit. Namaste. Je vous bénis. Ok? Je vous connais les gens-ci.